Et salut tout le monde, c'est Faredge et bienvenue dans le nouvel épisode de Shadow of the Colossus sur la Terre des Ombres. Terre des Ombres assez illuminée mine de rien, hein, mais bon. Et aujourd'hui donc nous allons cette fois affronter réellement un colosse. Qu'est-ce qu'il fait en bas, Ablo? Un colosse volant, visiblement, hein, d'après ce qu'il nous a dit notre ami. Et lui, il est tout à l'ouest, là-bas. Allô? Alors, il est plus en bas, il a dû se téléporter par là. Allô? Ouais, il est là, c'est bon. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Non, monte. Monte. Voilà. Et direction plein ouest pour aller affronter le colosse suivant qui sera donc le cinquième colosse. Et c'est... par là, alors du coup, attendez. Parce que là, c'est là où j'avais été la dernière fois, je crois. Donc, on va plutôt essayer d'aller vers l'ouest. Donc, par là. En espérant que ce soit le bon chemin. Bon, là, les colosses, vous l'aurez remarqué, ils sont encore relativement près. Mais après, ils vont s'éloigner au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. Alors, putain. Waouh! C'est ça le lac? Attendez, on va s'arrêter 2 secondes. Regardez-moi ça. Donc le colosse, j'en déduis qu'il doit être quelque part par là. Regardez-moi ça. Je veux dire, les gars, certains m'ont dit que les graphismes, ils les trouvaient pas terribles. Enfin, moi, je suis désolé, on est quand même sur de la PS2. Merde, regardez, quoi. C'est vachement beau pour de la PS2. Je veux dire, la notion de perspective et tout. Moi, je trouve ça vachement beau pour de la PS2. Il y a peu de jeux qui peuvent prétendre être aussi beaux sur la PS2, hein, avec ce type de graphisme, bien entendu, hein, mais puis je n'empêche, ce jeu, faut savoir qu'il a été un précurseur pour de très nombreux jeux. Puis il en a inspiré plus d'un, notamment par exemple, pour en citer qu'un, les combats que vous pouvez faire dans Castlevania Lord of Shadow, c'est typiquement le genre de combat inspiré de Shadow of the Colossus, hein. N'importe qui a déjà joué à Shadow of the Colossus vous le dira, quoi. C'est impressionnant, il y a énormément de combats ou même de trucs comme ça qui ont été inspirés par Shadow of the Colossus, hein. Attendez, on va essayer un truc là. Ah, tu avances trop vite! Non, tu avances trop vite. Bon, c'est pas grave. Je voulais essayer de la shooter pour voir si ça faisait quelque chose. Y a quelque chose par là? Un petit arbre? Ouais. Hop là! Je me demande si c'est là en bas qu'on va se rendre. Bon, je pense pas, remarque, hein, mais. C'est vachement beau, quoi. Bon, bref. Allez! On a un colosse à tuer, c'est pas tout ça, mais on n'est pas venu faire du tourisme. Alors c'est par là, hein. Ouais, il est un peu plus à gauche, mais c'est par là qu'il faut aller. De toute façon, j'ai pas d'autre chemin. Ah, attendez, stop! Non, non, comment on fait pour l'arrêter, lui? Alors, il faut se prendre un mur pour l'arrêter, quoi. Ou alors il faut sauter. Bon. Alors, voyons. C'est quoi ça? Ah, c'est le lac. Là, j'en déduis qu'il va falloir que j'y aille à pied. Enfin, à pied à la nage. J'essaie de me rappeler du colosse qui était là. Non. Non. Je m'en souviendrai peut-être en le voyant, mais là, comme ça, je ne me rappelle plus du tout de quel colosse il est question. Pardon. Alors, par où je suis censé passer maintenant? Pardon. Voyons, bon, il doit bien avoir un endroit pour monter quelque part par là. Là d'ailleurs, c'est pas des plantes là? Ah, ou sous l'eau. Ah ouais, c'est ça. Comment on fait pour aller sous l'eau déjà? Ah, voilà. Et là, ah, ça doit être ça, là sur le mur. Ce qui est quand même assez original aussi dans ce jeu, c'est que mis à part pour les combats contre les colosses, il n'y a pas d'ambiance musicale dans le monde. Et ça donne vraiment cette impression, c'est très bien fait parce que ça donne vraiment cette impression d'un monde mort. C'est mort. Il n'y a que des colosses ici, je veux dire, c'est vraiment... J'aime bien. Clairement, j'aime bien cette ambiance.
pour examiner un peu les alentours, voir si on n'aperçoit pas le colosse, mais pour l'instant c'est pas trop le cas. Enfin du moins si vous l'avez peut-être vu, mais moi je l'ai pas vu. Ah! Oh putain l'engin! Je me rappelle pas de ce colosse. Bon déjà on sait que c'est sur son dos qu'il faut aller. D'accord, un oiseau. Ok. Oh l'engin! Il a pas l'air si grand vu comme ça, mais... Ok, alors je fais quoi? Je saute dans l'eau? Ah, il y a des plateformes là-bas, c'est peut-être ça qu'il faut faire, il faut atteindre les plateformes. Enfin, je suppose. Alors où est-ce qu'il est? Il est toujours là pour l'instant, il a pas l'air de m'avoir vu. Je pense qu'avec les... il va falloir essayer de monter sur ces plateformes là-haut. Et soit le faire tomber dans l'eau et après lui monter sur le dos, soit essayer de lui sauter dessus en vol. On va voir. On va voir ça. Même l'eau, regardez les effets sous l'eau avec les effets de lumière. C'est relativement bien fait, quoi. Je suis désolé, je suis émerveillé devant des trucs comme ça, mais pour moi, c'est un jeu qui, en plus, c'est un jeu qui est sur PS2, mais qui est surtout super vieux. C'est pas de la PS2 en fin de vie, quoi. Donc, c'est vachement bien fait, quoi. Alors, voyons voir, si je monte là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par hasard, il faudrait pas lui tirer dessus? Ah! Wow, 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 wow. Ah, là, je pouvais peut-être lui sauter sur la queue. Ah, peut-être, ouais. Attendez, on va voir. Faut peut-être se baisser. Vas-y, reviens. Et là, non, il m'a eu. D'accord, bon, alors attendez. On va essayer d'aller là-bas, il y a une espèce de porte. On va essayer d'aller là-bas. Là, il arrive. Ok, là je risque rien. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de monter au sommet de ces espèces de colonnes? Apparemment, non. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres plateformes. Non, alors c'est peut-être. J'avais peut-être raison, il faut peut-être lui sauter dessus directement, mais. Où est-il? Il est où? Ah, il est là. Alors je vais réessayer de lui sauter dessus, si j'y arrive pas, on ira voir si on peut... Il n'y a pas moyen de monter au sommet de l'une de ces colonnes. Ah ah ah, il a l'air de se poser, je crois qu'il m'a perdu de vue. Non. Ici! Ouais, il arrive. Ah! Là, 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 là! Ouf! Oh putain! Ah! 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 Laisse-moi bouger! Ah! Ouais, 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 ouais. Alors vite, il faut trouver son point faible. Ah! Ok. Ok. Vous avez vu comme c'est bien fait l'ambiance musicale? Là c'est tout calme et puis ben dès que je suis dessus, ça s'accélère et tout. Putain, par contre celui-là il va être un peu tendax, hein. Il va falloir réussir à rester accroché, hein. Si vous voulez mon avis, on va tomber plus d'une fois, hein, face à ce colosse, hein. Alors, allez viens. Allez viens, je suis là, regarde. Coucou. Là. Ah, là je l'ai eu, je l'ai énervé, regardez, ses yeux sont passés du bleu au jaune. Donc soit il m'a vu, soit je l'ai eu et je l'ai énervé. Allez, viens. Allez. Attention. Ya. Alors là, il faut attendre qu'il se stabilise.
Il y a de l'herbe à l'extrémité des ailes. Je sens qu'il va falloir à un moment donné aller sur les ailes. Alors là, on reste accroché. Est-ce que je peux me déplacer? Oui. J'essaie de me mettre debout en fait pour. Je pense qu'il faut aller à l'extrémité de la queue, hein, donc on va aller voir. J'essaie de me mettre debout pour économiser au maximum mon endurance, mais c'est pas toujours évident. Hein. Voilà. Alors est-ce que c'est là qu'il faut aller? Ouais, c'est là. Allez, 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 allez. Encore un coup. Hop. Et... non, c'est bon. Le truc, enfin, non, c'est bon. Je veux dire, le truc a disparu. Donc... C'est ailleurs maintenant, alors le problème ça va être où? Parce qu'il va falloir réussir à y aller ailleurs, hein. Oula, 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 qu'est-ce que tu fais? Ah, il va tellement vite, regardez, j'ai du mal à avancer. Alors on va essayer de voir où est-ce qu'il faut aller. Ah, là, à l'extrémité gauche de l'aile, ok. Le problème là c'est qu'il va falloir que je relâche mon emprise pour sauter sur l'aile, mais il va falloir qu'il se stabilise, parce que là je ne peux strictement rien faire. Hein. Ah là peut-être. Yeah, putain non. Oh finesse. Bon, au moins on sait où il faut aller. Allez on y va. On y va, on y va. Regarde, je suis là. Ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas une touche pour nager plus vite quand même. Hein. Ici. Là. Non, je l'ai pas eu. Oui, là il a les yeux bleus. Ah, ça y est, là il m'a vu. Allez, viens. Viens, 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 c'est quand même vachement impressionnant comme combat. Allez, viens. Maintenant, je sais comment on fait, ça va. Ya yeah. Et c'est l'autre aile, évidemment, je suis pas du bon côté. Là il tourne, je peux pas relâcher. Tant qu'il a pas fini de tourner, je peux pas relâcher. Voilà, là, il y a peut-être moyen. Yeah, non. Ah mais non, je suis... Ah quel idiot, non c'est ma faute, je suis un idiot. Je suis un idiot, il faut pas sauter. Parce qu'évidemment si je saute... Eh oui, si je saute, forcément il... Lui il continue d'avancer. Et vu la vitesse à laquelle il va, c'est normal que je tombe, il faut pas sauter. Ah, oh, quel idiot, quel idiot, quel idiot. Bon, mais voilà, comme ça, vous aurez vu ce qu'il ne faut pas faire. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas. Allez, c'est bon, la troisième, ce sera la bonne. Ah, il m'a vu, je crois. Ouais. Ouais, il m'a vu. Allez, viens. Alors, j'aimerais bien que ce soit de l'autre côté, que tu viennes, mais... Bon, c'est pas grave. On passera comme on peut. Allez, viens. Ya yeah. Vas-y, stabilise-toi. C'est rien. C'est juste moi. J'espère qu'il faudra pas aller sur l'autre aile. Parce que sinon, on n'a pas fini, hein. Là, il tourne, comme il fait du temps. Vas-y. Moi, pendant ce temps, j'essaye de descendre. Voilà, stabilise-toi, mon vieux. Voilà. Du calme, du calme, du calme, du calme. Du calme, là, il va se mettre à tourner. Voilà. Le temps que mon endurance remonte.
là il va bientôt tourner. Hop, vas-y. Je me demande s'il faudrait pas se laisser tomber quand il tourne en fait et s'accrocher après en bas. On va voir. Oh putain, là je suis sur l'aile. Allez, go 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 go, non ! Accroche-toi ! Accroche-toi ! Oh punaise ! Bon, ben la troisième c'était pas la bonne. Ah. Allez, on va y arriver. Où il est maintenant ? Il est là-bas, ok. On va y arriver, on va y arriver, y'a pas de raison. Le seul point chiant pour ce combat en fait, c'est les phases où, où on nage, tout simplement. Alors... Là, 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 regarde. Voilà, c'est bien. Là, il va tourner par là. Et il arrive. Allez, viens. Ah, non, il fait le tour encore. Il peut peut-être pas passer. Oh, si, il peut passer, là. Il n'y a que deux plateformes, mais si, si, il peut passer. Allez, viens. Alors là, il va descendre. Est-ce que je devrais pas me mettre là, plutôt? Allez, vite, 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 saute! Ah, punaise! Troll! Il s'est emplâtré contre le mur? J'ai l'impression qu'il s'est emplâtré contre le mur, non? Mais monte! Bon, je sais pas. En tout cas, on a l'air de pouvoir monter que ce côté-là. Alors, on y va. Ouais, on aurait dit qu'il s'était emplâtré contre le mur. Avec vu le bruit que ça a fait. Et là tu as tourné, arrête, 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 arrête. Calme-toi, calme-toi, calme-toi Bibiche, calme-toi. Calme-toi. Accroche-toi. Allez, du calme, voilà, tourne, vas-y. Allez. Non mais tourne que d'un côté, après moi j'ai plus d'endurance. Parce que là ouais, on pourrait... Non, je pense pas qu'on puisse se faire tomber, parce qu'après ça va être pareil, lui il va continuer à avancer. Du calme, du calme, du calme, du calme. J'ai plus d'endurance, alors du calme. Allez, 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 allez. Ah non. Crapunaise, c'est pas vrai. Ah, allez, allez, accélère. Y a... Putain, sérieux, t'as pas un moyen de nager plus. Si je range l'épée, tu veux que nage pas plus vite? Ah, on dirait peut-être, non? Ou alors c'est juste moi? Si je vais sous l'eau, tu nages pas plus vite? Ah, si, peut-être. Peut-être. Bon, on va supposer que tu nages plus vite sous l'eau. Ouais, quand même, il a l'air de nager plus vite, non? En plus, vu que ça me consomme de l'endurance, on peut supposer que c'est parce que déjà il faut qu'il respire, mais aussi parce qu'il faut qu'il accélère. Allez. Allez, cette fois c'est la bonne, hein, fais attention. Où est-il? Là-bas. Allez, viens là. Montre-toi. Ah, je l'ai eu là, non? Oh, je suis là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ici. Regarde. Coucou. Ici. Là. Là. Oh, stupide oiseau. Ici. Là, on voit le... son point faible qui brille. Allez, descends. Il tombe à pic quand même, hein. C'est assez... Yeah. Hop là. Bon, cette fois, il faut qu'on y arrive. Oh là, wow, 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 wow. Peut-être t'as une sacrée poigne, toi, hein, pour résister à ça quand même. Oh. Allez, monte. Oh. Monte. Voilà. Voilà. Allez, là, il tourne.
là, t'es debout. Allez, 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 ouais. Cette fois, tu es à moi. Non, il faut aller sur l'autre aile, vous êtes sérieux? Ah, vous avez vu, il a fait un 360. Il faut aller sur l'autre aile, j'y crois pas. Oh, putain, j'ai déjà galéré à aller sur une aile. Allez, arrête, 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 du calme, du calme, du calme. Voilà, c'est bon. Ça passe, ça passe, ça passe. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe. Non! Non! Reste accroché. Ouais, ouais, vas-y, remonte, remonte. T'inquiète, t'inquiète, j'ai tout mon temps. Voilà, vas-y. Place-toi bien, stabilise-toi. Non, 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 bat pas de l'aile, t'inquiète, t'inquiète, il faut pas, il faut pas. Regarde, fais du vol plané, c'est très bien. Voilà. Et cette fois, c'est... pas fini. Putain. Eh ben dis donc, punaise, ça c'était du colosse, hein. Bon, ah voilà. C'est quoi ça? Oui, je sauvegarde. Notre cinquième colosse. On en arrive bientôt à la moitié du jeu. Et là, vous avez vu, tac, il y a 5 ombres maintenant. Là, il y en a un en forme de dragon, je sais pas si vous voyez à gauche. C'est peut-être celui qu'on voit brièvement à un moment donné dans la cinématique que je vous ai mis dans l'outro. Pour ceux qui ont eu la curiosité de regarder, en tout cas. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, on verra ça dans le prochain épisode. Bah, je suis désolé hein, si j'ai un peu galéré. J'espère en tout cas que ce combat vous aura plu contre ce colosse. J'attends vos retours et puis moi je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode. Salut tout le monde!